Donc, médias qui allaient tout côté pour chercher une série d'informations pour vous. Et je vous dis, nous avons un cadre dans une série d'interviews de très spéciales. Donc, avec une grande personnalité, surtout de la politique haïtienne. Monsieur, ça fait le 26 novembre 1955 à Port-au-Prince. Il est journaliste, animateur, radio-télévision. C'est un politicien de carrière. Et il était marié en 1974-1976, il était animé en émission qui s'est Plume, donc qui était Vin Bali, un surnom qui s'est Compère Plume, donc qui Bali surnom Capé. Donc, mesdames, messieurs, c'est ancien premier ministre, pour ne pas dire avant premier ministre, c'était maire de Port-au-Prince. Et nous voulons parler de Evans Paul. Monsieur Paul, bonsoir, bienvenue sur Tripota et la Caille. Bonsoir, c'est avec un peu de plaisir de répondre à l'invitation de Tripotaille la Caille pour parler avec tous les compatriotes nous qui branchent tous les côtés. Parce que l'avantage de Tripotaille là, c'est que le fait de Tripotaille tous les côtés et le mener Tripotaille là, côté dans le pays à temps pour aller dans le pays. Merci beaucoup, PM. Justement, puis le monde connaît surtout dans les dernières années ça y est. En tant que PM, donc qui parle vraiment qu'on est parcours politique, ou est-ce que je vous dis en quelques secondes, quelques mots, ou cas, il faut parler de Internet, tout le monde qui a regardé au-là de parcours politique, Evans Paul, jusqu'à Premier ministre ou simple citoyen en ce moment? Bon, moi, c'est un militant, nous sommes un militant de vieille date, et je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, initié activité, moi, comme commentateur de radio, émission les plus mal à main. Dans la Radio Caraïbe en 1974, on était plus jeune, on va dire jeune. Et après ça, on évolue dans le théâtre, on était fait un théâtre engagé, à un moment déterminé, pas de gain de liberté de la parole. Et nous avons utilisé le théâtre là comme moyen de sensibilisation, de motivation, de conscientisation. Et nous qu'on marchait à travers le pays avec tout théâtre, nous télé, tout KPK, on allait à l'étranger, nous voulons New York, nous voulons Paris, nous avons fait ça. Mais à partir de 1986, moi, je suis entré dans la bataille politique directement parce que je crois qu'il y a une nécessité pour nous devenir engagés. Nous avons battu la vie en avant, nous avons consacré la vie. Nous avons élu maire de Port-au-Prince en 1980. 10. Bon, je n'ai pas fait mandat, j'ai eu 7 mois pour coup d'État, après ça, et moi, j'ai retourné encore, problème. Alors, non pas quoi tout, moi, j'ai vécu des moments où j'ai arrêté 17 fois. Ok. Et, bah, moi, bon, ça passait plusieurs fois, ça passe en 1980, les samedis journalistes se font. On reportage dans New York, on fait mon compte 80 coups de bâton. Et dans la caserne des Salés, à l'époque, j'étais sous le régime Duvalier. Moi, j'ai eu une expérience difficile, horrible, en 1989, le 1er novembre. Moi, j'ai eu une expérience extrêmement difficile, le 7 octobre 1991, les coups d'État à fait, malgré des maires de Port-au-Prince, m'aspiné, battre devant la caméra du monde entier, dans l'aéroport international. Bref. Et puis nous continuons à militer, des porte-parole FNCD, faire campagne électorale pour Jean-Bertrand Aristide qui était candidat sous Patia, sous FNCD. Moi, c'est membre fondateur KID, qui était à l'origine comité Unité démocratique, il y a une convention Unité démocratique, il y a une confédération Unité démocratique, je veux dire, c'est parti convention Unité démocratique. Actuellement, on parle avec moi dans C'est Vive. Qui c'est notre santé, vivre ensemble. Nous, toujours, t'as aimé, ouais, bagaille, changer dans le pays, mais nous ne sommes pas satisfaits de gens, situation évoluée, malheureusement. Vous êtes une personnalité, PM, qui travaille surtout contre le régime Duvalier, donc pour te permettre que la démocratie soit en vogue dans le pays, hein, pendant la période ça, ou pas, sans trop frustré par rapport à la démocratie en vrai? Bon, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de bien-être. Parce que la liberté a une conséquence qui c'est le droit pour parler, le droit pour circuler. Mais pour parler, pour circuler, pour réunir, il faut exister, il faut manger, il faut éduquer, il faut avoir un soin sur le malade, il faut avoir un bien-être, il faut avoir un espoir, il faut avoir une stabilité. Et il est clair que nous avons une grave crise de société depuis des années. Là. Comment c'est longtemps comment c'est... Bien avant même de Duvalier, parce que ça, pour qu'on bien connaît, François Duvalier est arrivé sous pouvoir en 1957,
Maintenant, un an qui précède l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, dans un an, le président Paul Magloire qui était au pouvoir en 1956, mais dans un an, ça a passé quatre gouvernements. Qui fait question de stabilité politique, là, pas commencé aujourd'hui. Et c'est peut-être période frustration, ça, instabilité, laisser frapper, militaire tiré sous militaire 25 mai 1957, et la trier, qui pourrait avoir bas du valier joint pour lui faire dictature. Donc, il y a des gens qui disent, bon, qu'on a pour souffle. Moi-même, moi, je ne suis pas parti d'une dictature, mais moi, je t'aime que nous mettons l'ordre dans les autres, nous créons un lien de stabilité, dans l'alternance démocratique, et puis, pour que la démocratie a l'hypothèse soulagement, l'hypothèse changement, l'hypothèse amélioration dans la vie citoyenne. Merci beaucoup, PM et Evans Paul. Donc, justement, en 2006, où tu es candidat à la présidence, malheureusement, où tu es arrivé pas bon. Donc, pendant une période ça, on temps, on continue à travailler, on vient. Premier ministre, n'a pas entré dans l'actualité directement qui gagne en pile information qui a fait buzz sur les réseaux sociaux. Donc, je dis, nous avons un concept de coronavirus en tant qu'ancien homme d'État, pour ne pas dire un homme politique, un homme social. Qui sont pensés des gestions corona, donc comment, qui a vu pas de façon corona a traité dans le pays ça? On dit corona, c'est vrai que c'est vrai tout le monde. Pas aucun côté on était préparé pour gérer le corona. Pas aucun pays qui va vivre de grandes conséquences corona. Corona fait ravage, particulièrement aux États-Unis, puis les pays sur la planète là. Il commençait dans la deuxième puissance économique mondiale là, en Chine. Il fait un pile de dégâts dans un pays tant pour l'Italie, tant pour l'Espagne, la France, en Angleterre, etc. Bon, dans le pays pas nous. Et bon, quand il y a un problème, nous n'avons pas d'installation sanitaire, nous avons un bon hôpital, nous n'avons pas de difficultés, et il fait des gâteaux parce que l'organe a plus que 70 personnes qui mourent, c'est beaucoup, et l'organe a environ 4000 personnes qui sont infectées, c'est beaucoup, mais prévision te paraît plus grave. Alors, premier problème nous avons, c'était problème pour faire mieux respecter les consignes. Bon, on est tout. L'homme a des gens particuliers, des gens qui ont chargé pour prendre l'arrière, pour virer l'arrière, pour faire 100 ans, pour 200 ans, pour manger. Alors, situation extrêmement difficile. Moi, je dis que nous, tu fais un bel exemple de vivre ensemble au commencement pour là. C'est pour une fois, tu es toute société a, au niveau de son leadership, tu dis même bagaille. Moi, pouvoir, tu dis même bagaille. Opposition, dit même bagaille. Société civile, dit même bagaille. L'église catholique, protestant, vaudou, exemple, musulman. Tout le monde dit qu'on a son problème, son danger. Faut que nous prenions précaution, faut respecter aussi. Ça, c'est un bon signal. Et me saluer et l'effort ça qui était fait. Et me féliciter Média yo, qui font pire effort pour sensibiliser le monde. On dit que ça, c'est capi grave. Ça, c'est capi grave. On souhaitait que le papi grave, parce que nous, dans un moment pic là, nous appartenons à des dégâts qui sont beaucoup plus considérables. Un sac fait que déjà grave, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont malades. Mais, moi, j'ai un petit soulagement par rapport à ça, nous appartenons, que je ne pas souhaiter qu'il arrive nous, je continue à souhaiter qu'il ne pas jamais arriver. Jusque là, on est satisfait de méthode que l'État a utilisé pour gérer la question Covid là? Satisfait, on s'est mesure dans mes moyens. Pas qu'on est qui s'est promettre, qui s'est engagé pour faire. Pas bien que pour nous, nous avons un déficit d'installation sanitaire. Jusqu'à présent, les 10 centres que l'État a identifié qui pour traiter, adresser les problèmes qui gagnent coronavirus, là, COVID-19, là, eh bien, il y a un département pas gagné du tout. Par exemple, le sud n'est pas gagné. Le sud-est n'est pas gagné. Les NIP n'est pas gagné. Et puis, nous vraiment en dessous de ça qui est arrivé, nous, par rapport à la prévision. Et c'est un pays qui est pauvre, nous n'avons pas de budget pour ça. Et nous pensons que tout le monde dégage, fait ça capable, et nous pas seul monde qui n'a dégagé. Moi-même, ça me pas souhaité, c'est pour nous faire plus d'efforts pour nous mettre des structures dans le pays. Pour les situations catastrophiques, ça arrive, nous avons plus de capacité pour nous gérer. Monsieur, c'est un pile monde qui a gardé là, à un moment ça. Donc, surtout, on est en période là, il y a un pile débat sur question mandat président. Donc, un pile monde
position, sa position, ceci. Donc, avant-hier, que m'a appelé un article qui est sorti, donc, on parlait de consensus collectif, donc, pour acteurs politiques qui joignent. Donc, justement, et je voulais poser une question comme ça. Qui, en réalité, qui position, pas, qui est capable de faire payer à pi bien? Est-ce que c'est départ président 2021 et entrer dans la transition? Ou dis-moi, est-ce que permettre que le président finisse, alors en 2022, quitte le pouvoir en 2022, donc, pour organiser l'élection? Moi, je pense que pourtant, il y a la paix dans le pays. Nous disons dans la démocratie. L'un des dictatures, pour nous donner ton président de l'Europe, c'est ton paquet de mobilisation parce que le président de la vie. C'est le cas avec Jean-Claude Duvalier, c'est ça que fait. Il était considéré 7 février 1986 comme jour deuxième libération. Nous disons dans la démocratie, pour un président entrer dans le Parlement, pour quitter le Parlement, pas obligé de gagner ses frappes. Alors, moi, très mal à l'aise dans la situation, côté me senti mon cyclone politique qui a envie de frapper le pays, dans le temps qu'on a, qui pourquoi fini, même si nous avons vivre avec lui. Et problème, nous avons plein de périodes cycloniques, ou un phénomène gang, ou une misère, ou un bande. Je suis là, je ne crois pas que c'est le moment pour nous tomber dans le laisser frapper, que le président va aller, qu'il est arrêté. Alors, moi-même, ça me propose, que deux parties, je suis allé discuter, nous avons un pile gros intellectuel pays, nous avons un pile respect pour nous entrer dans le débat, mais que tout le monde a posé problème, nous fait constat. Pour que ça nous tombe dans la question d'interprétation, constitution toute la journée. Parce que le raisonnement qu'on a fait, c'est une question de pour nous harmoniser temps constitutionnel avec temps électoral. Ce n'est pas très intellectuel pour le peuple, pour masse peuple. Je ne comprends pas comprendre ce que vous avez dit. Bon, moi je comprends ce que vous avez dit, mais plus que je comprends ce que vous avez dit, je pense qu'il y a plus de monde qui a parlé comme vous avez dit. Eh bien, comme La Fontaine dit, en toute chose, il faut considérer la fin. Moi-même, je me dis, est-ce que c'est un problème qui est toujours là? Admettons que le président a allé 7 février 2021. Élection parfaite pour remplacer démocratiquement selon le principe alternance politique. Là. Et bien, ça va le bon transition. Il y a qui dit qu'il faut une transition 3 ans. Pour cette transition a duré 3 ans, le prochain président qui est élu a fait 2 ans. À ce moment-là, plutôt, on a allé dans la transition pour aller dans l'élection. Si nous prenons deuxième cas, président arrêté 7 février 2022, il va faire l'élection pour remplacer démocratiquement. On a tombé dans la même situation, on a tombé toujours dans laisser frapper, toujours dans l'incertitude qui n'est pas bon pour le pays. Que le pays, avant-garde pays qui n'a politique, ni ça qui sous pouvoir, ni ça qui n'a opposition, société civile, nous chita nous met deux positions sous table là et nous joignons un compromis. C'est comme ça que la société marche aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à tirer l'autre, il n'y a pas qu'à éliminer l'autre. Même si nous avons des accords, nous tous ces héritiers, dont même bien que les Haïti, il faut nous faire tout ça possible pour nous protéger, pour nous préserver, pour surtout ne pas hypothéquer à venir pour l'autre génération qui a Monsieur Paul, justement, il y a chaque, quitte l'opposition le pouvoir, il y a chaque cap défend. Et soit 2021 ou 2022, chaque la gagne une position orientique qui marche en faveur, yo, ou bien que yo balan connotation qui marche en faveur. Donc, quelque part, est-ce que c'est par une faiblesse qui sorti dans la Constitution? Et ou dis-moi, est-ce que c'est tous les deux mouni ont fait mes yeux sur la réalité? Eh, mais si vous voulez dans la Constitution, on pose un problème dans la Constitution sur la table. Là, vous pensez qu'il y a un problème dans la Constitution. Mais la Constitution, c'est dans la Bible. Et depuis qu'on a besoin d'un développement de thèse spirituelle, là, venons un verset dans la Bible, là, pour dire selon tel verset, qui va le droit faire ça. S'il le fait des autres, il le fait violence, s'il dit l'éternel des armées, il pense que ça permet de faire l'armée pour l'armée qui manchette, l'armée cannibale, pas comme ça. Mais sous de mauvaises foi, on a toujours une façon pour justifier thèse ou à défendre non, sous de mauvaises foi. Je ne pas dire qu'il y a des gens qui ont de mauvaises foi. On doit avoir deux bonnes fois tout, et puis on fait une analyse, et on est. Bon, on va aller plus loin. Analyse avec droit bon, mais pas les réveiller. Nous devons faire un bon pour moi, ou bien un bon à court de vue. Alors, moi-même, ça m'a souhaité son match nul, 0-0, chaque équipe fait un point. Parce que, comment ça vient dans le football là? Dès que vous faites un match nul, chaque équipe fait un point.
Mais même si le match est à 0-0, chaque monde gagne. Alors, là, regarde la réalité du pays, on considère 3-0 opposition 0. Malgré ça, chaque bon point. En réalité, sous logique, il n'y a pas de craser l'autre. Parce que l'opposition aspire pour nous sous pouvoir. En gérer le match nul 0-0, personne ne va prendre un goal, personne ne va battre. Juste là, monsieur Paul, gagne opposition et pouvoir. Donc, ça fait en pile parler d'actualité. Hein. Depuis le président Mouti, c'était une question du système. Système n'a pas bon. Opposition dit système n'a pas bon. J'ai le pressentiment que masse là, au milieu, nous-mêmes n'a pas assisté. Des gens qui ont dit que le système n'a pas bon. Possiblement nous-mêmes, tout, n'a fait cette analyse par nous. En réalité, système pas bon, système pas bon. Donc, en carrière de, en tant qu'un personnage qui est en pile et carrière en politique, système ça, en réalité, il veut dire qui ça. Et qui est meilleure méthode yo opposition t'a utilisé et pouvoir t'a capable utiliser pour permettre que Haïti vienne là développement. Tout le monde dénonce ce système. Les autres oppositions dénoncent ce système. Le président dénonce ce système là plusieurs fois. Normalement. Mais c'est ce que je dis. Ça nous relève système là. Normal. Parce que malgré sur nos machines pour conduire, on va mettre de l'eau dans le radiateur. Pourquoi on ne va mettre de l'eau encore dans le radiateur, c'est plus cool là, etc. Eh bien, la machine là, elle a chauffé dans le monde, il n'y a pas de problème. Bon, admettons qu'il y a de l'eau dans le radiateur. Même si la machine était tout neuf, soit avec gazoline là-dedans, si c'est diesel ou le diesel là-dedans, il va marcher. Ce n'est pas la machine, pas bon, c'est gestion machine là, qui fait un système qui est déterminé par plusieurs facteurs. Par exemple, tu n'as pas de démocratie, tu n'as pas de société, tu n'as pas de pays. Eh bien, qui ça régit la société? C'est la constitution qui fait côté pour nous résoudre le problème. Le système, c'est la constitution. Mais ne va pas faire la constitution à tout pour nous dire bon, pour nous dire pas là-dedans, pour nous dire que pas là-dedans, ou bien pour nous dire la valasse pas là-dedans. Même Jean 1987, nous font constitution, nous dit ma coupe pas là-dedans. Et nous avons payé les conséquences jusqu'à présent. Toujours un groupe qui pensait qu'il y a plus de légitimité que l'autre, un groupe qui pensait qu'il y a mis dans l'autre groupe dehors. Il n'y a pas qu'à marcher comme ça. Il faut nous vivre ensemble, il faut nous cohabiter ensemble, il faut nous surmonter les différences. Il y a toujours des différences, il y a toujours des rivalités, mais il faut que nous développer sans responsabilité pour nous gérer les rivalités sans ne pas faire leur bien. Question mandat, ça arrive loin, surtout des grandes organisations internationales parler de l'île, surtout BINU. Donc, tu es bah, point de vue par l'île sur l'élection, donc ça dit qui ça? Ah bon, pas tant de BINU. De l'OEA, de l'OEA, pas tant de BINU était pour une position. Yeah. Oui, oui. Pas tant de BINU, ok, pas tant de BINU. Bon, quelle que soit l'organisation qui prend, bon, Haïti, les dynamiques internationales, là, actuellement, nous avons une mission Nations Unies, depuis 1992, Haïti, toujours une mission l'OEA, une mission Nations Unies. Alors, les questions souveraineté, sont bagailles depuis quelques temps, nous sommes capables de dire l'égal voudé. En même temps, la société est dynamique, nous sommes membres de l'OEA, nous sommes membres des Nations Unies, il y aura toujours une proposition. Mais ce n'est pas eux qui ont déterminé l'avenir pour nous. D'ailleurs, pays a plus ancien que ni Nations Unies ni l'OEA, nous sommes membres fondateurs tous les deux. Alors, je dis, nous sommes capables. Là, nous avons un problème entre nous, il faut que son blanc vienne qu'un bébé, mais nous. Et puis après ça, il y en a joué l'autre. Tout le monde a besoin de faveur blanc. Tout le monde a besoin de faveur blanc. Et puis après ça, nous avons battu l'estomac, nous avons des petites Dessalines, nous avons petites Christophe, nous avons petites Pétion. Mais je pense que papa, nous, si on était vivant, il va être fier de nous. Pour nous, pour être fier de nous, pour nous dignes d'être des fils authentiques. De Pétion, de Dessalines, de Christophe et Latrier, faut nous comporter nous, de manière beaucoup plus raisonnable. Moi, c'est ces dernières analyses qui ont fait sous point ça. Donc, est-ce qu'en réalité, question mandat président ne pas dépendre, si nous avons une rétrospection, pour nous garder dans la période élection qui est organisée, quantité de temps, et président privé est gagné, est-ce que nous avons dit, lycée président privé est constitutionnel, est-ce qu'en réalité, il est respecté et constitution et qui sont en réalité que nous sommes capables de dire de si nous avons une rétrospection de président privé à nos jours jusqu'à l'idée que chaque monde est là.
Moi-même, je ne choisis pas d'entrer dans l'argumentation, ça, yo, parce que dans pile de monde qui est qualifié par ces gens, qui fait des analyses, ils ont tout justifié position, yo, ou pour 7 février 2021, ou pour 7 février 2022. Même estimer la société n'a pas qu'à marcher comme ça. On n'est pas capable d'un système démocratique, et puis qu'on y a pour mandat président fini, il faut nous prendre une discussion. Et puis, c'est donc pour moi, nous avons un problème arithmétique. On est arithmétique, c'est partie préliminaire de mathématiques qui occupe de questions de nombre. C'est comme si nous avons un problème pour nous compter arriver sous 5 ou pour nous compter arriver sous 6. Ça a quelques mois, nous avons un problème sur le compte de 6 mandats sénateurs fini, je veux dire, c'est 6 mandats présidents fini. Dans quelques semaines, nous avons un problème de mandat magistrat, mandat kazek. Je pense qu'il faut nous prendre un côté, nous ne sommes pas capables toute la journée à vous entre nous. Et puis c'est conséquent de bataille. Conséquent de bataille, nous avons fait pauvre, nous n'avons fait aucun pays pas prendre au sérieux, nous avons fait peuple à tout, pas gain confiance dans le pays. Et puis nous avons créé une situation qui va être plus souffrance, plus misère, plus grand, plus violence, ce que moi-même, je n'ai pas souhaité. Merci beaucoup, PM Evans Paul, pour cette question, ça a été deux. Ou ta dernière question, et PM, ça a engagé ou surtout en tant que premier ministre, en pile monde admettre que rivé ou t'es rivé comme premier ministre dans le gouvernement et ancien président Michel Joseph Matéli, ou t'es vraiment aidé li à gagner ou bien à permettre que le film fait reste mandat ça. Donc, nous sommes capables de vivre dans la même situation là, président Jovenel, qui trouvait que il y a des questions qu'a posé sur ça que l'été fait, ça l'été doué fait, et pratiquement mandat qui finit. Ou pensez que il y a un problème de choix de premier ministre qui pas bien fait, ou bien un problème d'entourage? Bon, chaque contexte, chaque conjoncture son conjoncture, et chaque monde son monde tout. L'homme dérivé comme premier ministre, nous connaissons le premier ministre là pour un métier, nous connaissons qui contexte m'a dérivé, c'était pour un bouquet de l'homme sous tête. Et je pense que la stratégie beaucoup de loi, je ne vais pas laisser frapper à personne. Et je pense que le pouvoir n'est pas pour le monde. Et le pouvoir ne va pas mettre lui. En même temps, le monde qui est en opposition, tout est en droit. Nous avons qu'un pays, il y a une dynamique de dialogue. Et c'est ça que je demande au président Jovenel Moïse, je dis. Même sous temps de gagner, pas reconnaître, pas ceci. Mais il y a un geste souffert, on n'a difficilement pas comprendre. Je veux dire, c'est pour nous faire preuve d'humilité. Et appelle ça, il est valable d'abord pour le président, parce que c'est lui-même qui est président jusqu'à maintenant. Et il est valable tout pour le monde qui aspire pour occuper gros position dans le pays et au niveau de la politique. En pile qui a sauté sous question jeu d'ensemble, président Jovenel Moïse et premier ministre Joseph Jout. Donc, surtout des fois que elle prend la parole, donc quelques idées qui t'a semblé paraître diamétralement opposées par rapport à tendance et gouvernement. Donc, ou même, et vous pensez que si vous êtes premier ministre, président et Jovenel Moïse, donc qui ensemble de différences, vous pensez que vous êtes capoté, question banditisme, question manger, question presque tout ça qui est considéré comme élément important pour le pays d'Haïti. C'est un job extrêmement difficile. Moi, j'ai été expliqué ça plusieurs fois déjà. Son équation à plusieurs P. Être premier ministre, il faut avoir une capacité pour gérer d'abord la primature, qui commence par un P. Il faut gérer tout le palais national, qui sont foyers politiques extrêmement difficiles pour les premiers ministres. Et il ne faut pas confondre palais à commencer par un P tout, avec la présidence, qui sont leur P. Et on pas capable. Et gérer, faire job pour le ministre là bien, sans pas tenir compte de peuple là, qui sont 4e pays. Et on ne peut pas négliger mon autre pays fondamental qui relève la presse. Une fois IP, on va continuer du coup. Merci beaucoup, monsieur Paul. Donc, j'espère qu'il y a d'abord notre opportunité pour nous parler. Mesdames, messieurs, nous sommes avec nos anciens premiers ministres, Evans Paul, et qui tape. Faites-y pas de bouche avec nous, monsieur, c'était nous vraiment édifié. Donc, c'était Jorel Agoudou, accompagné de caméraman Louis Saint. Donc, qui a fait un très bon travail. Rétez sous Tripotaille Lacaille pour toute dernière information. Merci.